Chers parents, chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débuter l'expérience de l'enseignement à distance. Et comme vous le savez, tout commencement est complexe. Chers parents, vous êtes nos partenaires dans ce défi. Et par la grâce de Dieu, nous serons à la hauteur et nous allons surmonter ensemble cette épreuve. Mes collègues et moi, nous sommes ravis de collaborer avec vous. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Que Dieu nous protège tous. Les enfants, en lisant le texte, je vais expliquer des mots qui sont pour certains difficiles à comprendre. Veuillez être attentifs, s'il vous plaît. Josette et ses poupées. Il était une petite fille qui s'appelait Josette. Cette petite fille, c'est moi. Mais d'abord, il faut que je vous parle de mes poupées. J'en ai 14. Je ne peux jamais m'ennuyer, car j'ai tout le temps 14 personnes avec moi dans la chambre. Alors m'ennuyer ici? S'ennuyer, c'est une désagréable sensation lorsqu'on est seul ou enfermé. C'est notre cas, en quelque sorte. On ne peut pas sortir, on s'ennuie, on ne s'amuse pas. Je poursuis la lecture. Je vous présente maintenant mes poupées. Charlot, on me l'a donné quand j'étais toute petite. Il est fait en caoutchouc et il a des cheveux bruns et une fine moustache. Alors les enfants ici, Charlot, ce nom est inspiré d'un vrai personnage. Il était un acteur comique. Alors cette poupée est son icône en quelque sorte. Rosine a une très jolie figure avec une petite bouche et des yeux bleus. Maman me l'a donnée il y a 3 ans. Le dernier paragraphe. Ensuite, il y a Magali. Elle n'est pas beaucoup plus grande que Charlot. Et puis, il y a Grand Ours. C'est un vrai ours en peluche. Il m'arrive jusqu'à la taille. La peluche est un tissu épais à poils doux. Il y a aussi de japonaises. Japonaise, c'est un adjectif qui précise la nationalité. Alors les enfants, les japonais, n'ont pas du tout les mêmes yeux que nous. Ils ont les yeux bridés, ils ont la peau pâle, on peut dire qu'elle est jaune. Ils ont les cheveux très foncés et lisses. Après elle vient Kwan Kwano. C'est un canard habillé en costume marin. Vous connaissez maintenant la moitié de ma famille. La moitié lorsqu'on sépare une masse ou on la divise en deux parties égales. Maintenant, je vous invite à lire le texte et à répondre aux questions. La première question. Je devine le type du texte en cochant la bonne réponse. Première proposition, c'est un texte dialogal. Alors, un texte dialogal est basé sur un dialogue. Deuxième proposition, c'est un texte descriptif. Un texte descriptif est un texte qui donne des détails sur une personne ou un animal ou un état. Deuxième question. Je continue à cocher la bonne réponse. Dans ce texte, Josette parle de sa sœur, ses poupées ou bien son école. Troisième question. J'écris vrai ou faux. Josette présente toutes ses poupées. Kwan Kwano est un ours en peluche. Josette a 14 poupées. Quatrième question. Trouve une phrase qui montre que Josette n'est pas seule dans sa chambre. Cinquième question. Combien de poupées Josette décrit-elle? Question numéro 6. Je complète les phrases par les mots suivants. S'amuse, la moitié, s'ennuie, le double. Première phrase. De 16, c'est 8. Deuxième phrase, le chiffre 20 est du chiffre 10. Troisième phrase, Alain a beaucoup d'amis. Il ne, pas, au contraire, il vient. Septième question, je recopie du texte la description de Rosine. Description, c'est-à-dire comment elle est. Je vais mettre à votre disposition la correction de ces exercices la prochaine séance de lecture. D'ici là, n'hésitez pas à me poser des questions. Bon travail!